Salut à toutes et à tous les amis, c'est Frankie, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide et aujourd'hui on va faire les résultats de la manche 7 des défis de Frankie. Cette manche 7 était, euh, on va dire, une manche que je voulais vous faire mais que je savais pertinemment que... Très peu de personnes allaient y adhérer pour la bonne et simple raison que le drift, puisque c'était du drift sur cette manche-là, euh, très peu de personnes y sont friands. Il y en a deux ou trois parmi vous qui sont plutôt adeptes du drift, et d'ailleurs ça se verra au, au titre de leurs résultats, mais je sais que le drift, ah, c'est compliqué, ça, ça rebute beaucoup de personnes. Toutefois... Comme je l'ai dit précédemment, euh, ce, le drift fait partie intégrante des concepts et des épreuves qu'il y a dans Grand Tourisme 7. Le drift, il y a de la livrée, etc., etc. Donc le drift doit faire partie euh, des épreuves. C'est vrai. Avant de parler des résultats, que euh, j'ai fait une omission. Hein, voilà, il faut que je le reconnaisse. J'ai oublié de faire du rallye. J'ai oublié de faire du rallye dans cette saison. Et comme l'épreuve numéro 8, dont on va parler un peu plus tard, est déjà tournée, il n'y aura pas de rallye dans cette saison-là. Euh, bon, voilà, c'est pour moi. C'est vrai que j'ai complètement zappé. Quand j'ai tourné la, la manche 8, j'ai dit, pétard, j'ai oublié de faire du rallye. C'est pas grave. Il n'y aura pas de rallye, mais en tout cas, on va quand même parler des résultats de la manche du jour. Alors, cette manche-là, vous avez été malgré le fait que très peu. Y adhérer hein. vous avez quand même été euh, 29 à participer à cette épreuve donc merci pour tous ceux qui ont joué le jeu et merci pour les deux ou trois individus qui m'ont traité de malade euh, je sais que vous aimez pas ça et sachez à titre informatif je vous le dis comme ça on est dans la confidence reste entre nous sachez que la saison prochaine ce sera pire pire en termes de fadaderie je vous ai préparé des trucs la première épreuve, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, euh, vous n'êtes pas prêt. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais euh, je vous prépare des trucs de derrière les fagots pour la prochaine épreuve, mais on aura, euh, prochaine saison, pardon, mais on aura largement le temps d'en discuter. Allez, je vais vous montrer un petit peu les résultats rapidement de cette manche 7 et on bascule sur l'écran du PC et on va voir ça ensemble. Donc. Comme vous pouvez le voir, alors autant pour moi, vous n'avez pas été 29, vous avez été 28. Excusez-moi, petite erreur de ma part. Bref, vous avez été 28 à participer, donc je vais égrainer rapidement, je vais remonter progressivement vers les hauteurs du classement. Je ne vais pas m'arrêter sur chacun d'entre vous, vous verrez vos noms évidemment. Donc le classement, le pseudo du candidat, ainsi que le nombre de points qu'il a marqué au titre de cette épreuve. Donc je remonte le Phoenix, euh, PlayStation Pat, euh, l'Aventurier du Gaming, Thierry Lichanski, Obi-Wan, euh, Riglis23, Viva Ludo, JV22, SFRio, Chris Dudu, DigiGams terreux 70, Loulou 0041, FFK Zeldin, c'est lui qui m'a traité de malade. C'est lui qui m'a traité de malade. Euh, attention, hein. <laughs> traité de malade. Moi. Bref, revenons à nos moutons. Gus 48, Jaune 59, Joe, uh, Steph 29600, uh, Viking, Le Bernet 64, LG Spirit, Fonzi 13. Regardez, 31 720 points. Moi, je crois que quand j'ai fait la démo, j'étais aux alentours de 30 000 points. Donc voilà, je me situe à peu près uh, entre la 9e et la 10e place. Donc voilà, c'est une place qui me convient largement. On continue. Ice One 32 136, avec 34 000 points. On commence à remonter très très rapidement. Papy Gamer 41 000, donc le premier candidat à passer au-delà des 41 000 points. C'est quand même balèze. Euh, Rapal 2044 475, qu'il a réalisé euh, en, quasiment à la sortie du live, <laughs> vendredi soir, quand on était en live. Euh, il m'a dit ouais, Je te fais vite la capture. Il m'a envoyé la capture en temps réel. Il l'a fait pendant qu'il parlait. Donc euh, la prestation est d'autant plus euh, sympathique, on va dire. Euh, bravo à toi, Rapal. Massine Massine, 44 756, il a fait pareil, je crois. Massine Massine, il m'a envoyé dans la foulée pendant le live. Donc aussi euh, bravo à vous deux, parce que vous l'avez fait euh, en mode à l'arrache, on peut dire ça comme ça. Et le score pour euh, des scores à l'arrache est plutôt impressionnant. Nil Admirari, 88, qui a fait un, un score de 45 560. Il est donc deuxième. Et le vainqueur de l'épreuve est le paddock, euh, avec 52 240 points. Il a réalisé donc son meilleur score... Euh avec 52 250 points, c'est le premier candidat à passer au-dessus de la barre des 50 000 points, donc bravo à lui, et on va parler évidemment dans quelques instants du replay, mais ça c'est très important, parce que je voudrais faire un petit message d'utilité publique. Euh, je reviens en facecam deux minutes, juste pour vous rajouter un petit commentaire qui est extrêmement important pour moi. Hop sachez euh, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de la saison je suis en train de préparer en même temps euh, ce que je dois vous montrer sachez comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de la saison que outre les vainqueurs qui seront éligibles à un tirage au sort donc le paddock qui a remporté cette épreuve sera éligible à un tirage au sort spécifique pour les vainqueurs en fin de saison il y a également euh, le bonus fidélité. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais le principe du bonus fidélité, c'est au plus vous participez à des preuves, au plus vous êtes éligible à un tirage au sort. Il y a en tout et pour tout cette année 8 épreuves à réaliser. Le candidat qui aura réalisé 8 épreuves sera éligible à un cadeau. Conséquent, le candidat qui aura réalisé 7 épreuves sera éligible à un cadeau un peu moins conséquent et le candidat qui n'aura réalisé que 6 épreuves sera éligible à un cadeau évidemment un peu moins fort. Euh, ce sera un tirage au sort parmi tous ces candidats-là qui aura lieu en fin de saison, donc ça, j'en parle pas plus. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que restez bien attentif puisque la manche 8 qui arrive, j'ai noté le 3 décembre, dans cette manche 8, je ferai. Une présentation très exhaustive de qui va remporter quoi et qui sera éligible à quoi. Donc c'est très intéressant pour les candidats qui sont toujours éligibles au bonus fidélité. Mais sachez que j'en parlerai au titre de cette vidéo-là qui sortira donc le 3 décembre. Donc soyez-vous bien prêt, ça va arriver très bientôt. Alors on va parler évidemment de ce bonus fidélité puisque depuis tout à l'heure je vous en parle, c'est pas pour rien bascule sur l'écran et je vous montre un petit peu tout cela donc vous voyez donc en tout et pour tout depuis le début de la saison 59 candidats pardon ont participé euh, aux épreuves euh, donc certains candidats n'ont réalisé qu'une épreuve etc mais à la limite ça on s'en fout je vais remonter rapidement pour vous parler des candidats qui sont d'ores et déjà éligibles Potentiellement au, au, au futur gain. Donc on commence à monter tranquillement. Je vous passe les noms puisque vous les voyez tous apparaître. Un candidat, une épreuve, deux épreuves, ça commence à être, ça commence à se voir. Quatre épreuves, cinq épreuves, et voilà. Les candidats qui sont d'ores et déjà éligibles, euh, c'est Viking qui a réalisé euh, six épreuves euh, sur sept. Donc ça veut dire que lui, à terme, Viking par exemple, sera éligible potentiellement au mieux. À, une, à un bonus fidélité pour un candidat qui a réalisé cette épreuve, puisqu'il n'en a réalisé que 6, il en reste encore une. Sachez que Stéban et Steph29600 sont toujours, eux, éligibles, s'ils participent à la 8ème épreuve, ils seront éligibles au bonus fidélité de 6 épreuves. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, si ce n'est pas le cas, évidemment, dites-le-moi dans les commentaires, je corrigerai euh, cela s'il y a besoin d'un complément d'information. Donc je, commence à, je continue à monter, pardon. JV22, etc. Enfin, Yoda, lui, a réalisé toutes les épreuves depuis le début de la saison. Donc, s'il réalise la 8ème, il sera éligible au bonus fidélité pour 8 épreuves. Je pense que vous avez compris, c'est très, très clair pour moi. Et on continue à monter à partir de la, du 20ème. Donc, Yoda, tous les candidats, sans exception, ont réalisé et ont joué le jeu pour jouer toutes les épreuves. Donc, potentiellement, si tous ces candidats jouent le jeu jusqu'au bout, ils seront éligibles au tirage de soir pour les, euh, le bonus fidélité de 8 épreuves. C'est très simple et pas extrêmement compliqué. Je vous les montre tous comme ça vous les voyez et vous êtes au courant. Zeldin, Viva Ludo, Thierry Lichansky, regis 23 Rapal2000, PapyGamer69, Niladmirari88, Lulu 0041 Alors il n'y a pas d'ordre de préférence, c'est juste un classement par ordre alphabétique. Hein loulou 041, le Bernie 64, le Phoenix, le Paddock, l'Aventurier, euh, Legitim Spirit. Nous avons FRK Tero 70, euh, Seboe, Gus 48, Esseferio, Fonzi et Chris Dudu sont tous les candidats éligibles aux euh, 8 épreuves. Déjà, déjà, un grand merci à tous ceux-là, tous, vous tous qui avez réalisé toutes les épreuves. Vous êtes venus avoir joué le jeu et je sais qu'il y a des épreuves qui étaient particulièrement... Énervante, voire chiante, pour ne pas dire autre chose. Donc merci à toutes et à tous d'avoir évidemment pardon, joué le jeu. Et comme je le disais tout à l'heure, dès le 3 décembre, sortira la vidéo de présentation de la manche 8, donc dans, dans une dizaine de jours. Et au titre de cette vidéo-là, vous aurez la possibilité de voir quels sont euh, les bonus, les prix qui seront accordés aux vainqueurs en plus de la présentation de l'épreuve, bien évidemment. Allez, je reviens en face cam très rapide. On conclut cette vidéo. Comme d'habitude. Première chose, avec le petit indice qui va apparaître là. Alors, ce n'est pas Iron Man, c'est autre chose. Le petit indice, hop, qui apparaît plutôt là, qui va vous montrer le but de l'épreuve. Alors, j'ai pas cherché très très loin, mais je pense que rien qu'à la vue de l'indice, certains vont se dire "Ah, cette épreuve va me plaire." J'espère qu'elle vous plaira bien évidemment ou pas, parce que c'est pas parce que vous voyez ça que vous avez tout deviné. Attention. Première chose. Deuxième chose, en général, nous avons, et c'est là où je voudrais en profiter, euh, vous avez l'habitude en général qu'on fasse, euh, à, à la fin de chacune des épreuves, que je vous fasse une petite vidéo en replay pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil sur la, le vainqueur de l'épreuve. Aujourd'hui, je vais ne vais pas vers cela. Je vais vous partager un lien. Alors, soit il va apparaître en haut à droite. C'est pas sûr parce que je ne sais pas si YouTube acceptera que je mette un lien vers une chaîne extérieure, mais je vais vous faire apparaître la chaîne du Paddock pour que vous puissiez aller voir son replay directement. Donc il y a le lien vers sa chaîne euh, et le lien vers la vidéo. Allez jeter un petit coup d'œil, je pense que je dois pouvoir vous partager sa vidéo. Allez jeter un petit coup d'œil, par la même occasion, abonnez-vous à sa chaîne si vous en avez envie. Il, y a, euh, le, il a fait toute cette épreuve en live, c'est un live Twitch d'une heure, vous verrez toutes les tentatives qu'il a fait, c'est plutôt, plutôt balèze de sa part. J'en profite donc pour faire ça, comme ça par la même occasion, ça donne un petit coup de pouce au Paddock qui a décidé de réagencer sa chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a, le Paddock a une, a une chaîne principale avec 2300 abonnés une chaîne gaming avec 200 abonnés. Euh, le Paddock, tu me confirmeras ou tu infirmeras ce que je dis et tu corrigeras mes propos éventuellement dans les commentaires. La chaîne à 2300 abonnés, qui était la chaîne principale, va devenir une chaîne IRL dans laquelle il fait des reportages sur des voitures automobiles. Je vous mettrai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Et la chaîne secondaire, qui était la chaîne avec 200 abonnés, va devenir sa chaîne exclusive au gaming. C'est ce que j'ai compris dans les explications et c'est ce qui me semble a priori logique. Donc je vous invite évidemment à aller jeter un petit coup d'œil à ces deux chaînes. La vidéo est en haut à droite pour le partage de son replay. Et les deux chaînes sont disponibles dans la description de la vidéo. Allez voir les deux et abonnez-vous aux deux. C'est plutôt vachement cool ce qu'il fait comme contenu. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Nous on se retrouve donc dès euh, le 3 décembre pour la manche 8 des défis de frankie Et si tout va bien, elle n'est pas encore tournée, c'est pour ça que je dis ça, date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Si tout va bien, cet après-midi, vous devriez voir une vidéo en mode podcast comme je vous l'ai proposé dimanche dernier. Dans lequel on va parler d'un truc qui devrait vous plaire. Euh, je pense que je vais vous proposer de plus en plus de ce type de contenu en mode, en mode podcast. Euh, mais on en parlera évidemment dans euh, de futures vidéos, d'autres contenus à venir, bien évidemment. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Vidéo un petit peu longue, pas tant que ça finalement. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. Et nous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle aventure et la manche 8 qui clôturera cette saison 2022 qui a été haletante au plus haut point avec plein de petits cadeaux à gagner. Et ce sera super cool. Allez, bonne journée à tous, à très bientôt. Salut